Alors, est-ce qu'il vous arrive de vous retrouver dans des situations où parfois vous avez du mal à dire non, des situations dans lesquelles vous sentez que vous passez beaucoup plus de temps à prendre en compte les autres et finalement une difficulté à prendre en compte vos propres besoins? Eh bien, probablement que vous êtes en tout cas dans une dynamique de type 2, ou en tout cas vous vous rapprochez de cette dimension du 2 dans l'énéagramme, ce 2 qui fait partie de 9 profils que je décris à travers quelques vidéos dont celle-ci. Alors qu'est-ce que le profil 2? C'est un profil qu'on appelle aidant, ce qui veut dire que là encore il n'y a pas de bon et de mauvais profil, mais dans cette dimension de 2 on peut aller soit vers la lumière, se libérer pleinement, soit descendre, on va le voir, eh bien dans des messages qui nous enferment un peu, qui sont des messages contraignants. Et notamment le message contraignant du 2, c'est de croire que pour être aimé, pour être reconnu, pour être en qualité de lien avec les autres, ce qui est très important pour lui, eh bien il se doit de faire plaisir, il se doit de prendre en charge, il se doit d'aider les autres. Et s'il dit non, évidemment, eh bien c'est comme s'il était quelqu'un de pas bien. Et c'est comme ça qu'il s'enferme sans même s'en rendre compte dans ce carcan qui va limiter sa capacité à prendre sa place, à se reconnaître et finalement à s'aimer. Et donc du coup, ce qu'on va faire pour aider justement ce profil, eh bien, c'est l'aider à comprendre en fait qu'est-ce qui se joue dans ces mécanismes conscients, préconscients, inconscients, et qui peuvent justement, parce qu'il va en prendre conscience, notamment à l'observation de la manière dont il interagit dans son quotidien avec son environnement, eh bien, peu à peu, de réorganiser justement cette permission de reprendre sa place, de rayonner pleinement, et du coup de découvrir qu'il peut être toujours dans le désir d'aider les autres, mais pas dans le devoir de le faire. C'est ça toute la différence. Là, il est dans le devoir, là, il est dans le désir, c'est par amour. Ce qui veut dire que quand il donne à son environnement, quand il prend en charge, eh bien finalement, s'il y a un retour, c'est chouette, mais s'il n'y a pas de retour, c'est chouette aussi, puisqu'il est porté par la grâce, en fait, du fait d'être dans le plaisir de prendre en compte les autres. Mais ce qui est très important, c'est justement de dissocier ce devoir de faire plaisir, parce que sinon, je ne suis pas quelqu'un de bien, à ce plaisir justement d'offrir, de prendre en charge. Et c'est ce qu'on découvre notamment à travers eh bien, la richesse du profil de type 2 hein, qu'on appelle l'aidant. Donc je vous rappelle, le 1, c'était la loi. La personne est très préoccupée par la notion de loi. Et le 2, elle est très préoccupée par la notion de relation. Alors si vous avez envie d'en savoir plus justement sur ce profil et sur l'ensemble de l'énéagramme, on vous invite à cliquer sur les liens qui sont en dessous, de faire un petit test personnel et puis d'aller découvrir grâce à une documentation qu'on va vous envoyer gratuitement, eh bien l'ensemble des profils de l'énéagramme, découvrir ses clés et puis surtout en avoir une pratique pour vous dans votre propre développement ou dans la qualité des relations que vous pouvez avoir sur le plan personnel, social et surtout, on le verra pour ceux qui veulent aller plus loin sur le plan professionnel, que ce soit donc manager, professionnel de l'accompagnement ou autre. Voilà, d'ici là, je vous invite évidemment à nous rejoindre sur les autres vidéos et au grand plaisir de vous retrouver pour la suite.